Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce qui est possible d'utiliser dans Google Doc depuis un certain moment, dans les tableaux. Donc, quand on utilise un tableau et qu'on descend, on perd notre ligne du haut. Ici, on peut voir que j'ai un tableau avec le nom de mes élèves, leurs parents, courriel, numéro de téléphone, dîner. Et si je veux aller remplir pour un élève et je ne sais pas à quelle colonne je suis rendue, donc ce que je peux faire, c'est aller juste ici. Maintenant, à côté, il y a une épingle, donc je peux épingler l'en-tête et de cette façon, je vois que je vois que ma première ligne reste épinglée de cette façon-ci. Donc, si je remplis ici numéro de téléphone d'un certain élève, je vais pouvoir voir où est-ce que je suis rendue. Si je veux épingler les deux premières lignes, je vais à la deuxième ligne et je vais épingler de cette façon-ci la deuxième ligne. Donc, de cette façon-ci, ma deuxième et première ligne restent épinglées. Donc, si je ne les veux plus, donc je peux enlever la deuxième, la première va s'enlever au même moment. Donc, j'ai juste à réépingler ma première ligne et de cette façon-ci, elle va revenir épinglée juste en haut. Donc, je ne suis plus en train de revenir pour savoir à quel endroit je remplis mon tableau. J'ai seulement à épingler ma première ligne de cette façon-ci.